Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Vidéo invocation sur les nouveaux persos qui sont arrivés dans ce nouveau portail. Le Goku Super Kaioken et le Paikuan Transfo. Alors, ça fait plaisir de voir un petit Paikuan Transfo, ça change un petit peu parce que Paikuan c'est pas un perso qu'on a l'habitude de voir dans tous les jeux vidéo Dragon Ball. Donc là, pour le coup, qu'il soit mis un peu en avant dans Dragon Ball Legends, ça fait vraiment plaisir. Malheureusement, on va y venir, c'est pas un portail de fou furieux non plus, parce que voilà, la capacité Z de Paikuan, etc., vous allez voir, c'est pas oufissime. Également pour le Goku SSJ Kaioken, voilà, le super Kaioken de Goku, c'est pas, je trouve, des persos super hypant pour ce deuxième anniversaire de Dragon Ball Legends. Clairement, moi j'aurais bien voulu du Gogeta 4, Gogeta Blue, du Mugaté, voilà. Je pense que beaucoup pensent comme moi. Mais bon, ils sont là. Je vous avais dit hier en live, d'ailleurs, en live, on a chopé le Vegeto Super Saiyajin Blue. 6 étoiles 6 étoiles, j'ai enfin débloqué la capacité Z future. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci du soutien. Et je vous avais dit, voilà, si on atteignait les 1500 pouces bleus, eh bien, je remettais de l'argent pour invoquer, pour vous faire plaisir, parce que beaucoup me disaient, Soso, t'as pas invoqué sur le Goku Super Kaioken et le Paikuan Transfo. Eh bien, ça y est, ça va être chose faite dans cette vidéo. Donc, merci du soutien. Je vous avais demandé 1500 pouces bleus pendant ce live. On a eu, je crois, plus de 2000 pouces bleus. On était 2400 sur le live. Merci à vous et merci également à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Vous faites tellement kiffer, et tous ceux qui activent la cloche pour ne rien rater, pour faire partie de la team Notif. Petit rappel concernant le tournoi Dragon Ball Legends qu'on organise avec Yekace, il va débuter ce lundi 29 juin en live sur ma chaîne YouTube à partir de 20h. Donc tous ceux qui sont sponsors à la chaîne, vous êtes inscrits au tournoi. Si malheureusement vous ne pouvez pas y participer, ne vous inquiétez pas les frérots, il n'y a pas de mal. En tout cas déjà, merci du soutien d'être sponsor à la chaîne, ça fait vraiment kiffer. Mais en tout cas, si vous voulez y participer, rendez-vous dans la description de cette vidéo et cliquez sur le lien Discord. Une fois que vous avez rejoint le Discord, voici un petit tuto qui vous montre comment synchroniser votre compte YouTube avec Discord. Il va falloir aller tout en bas à gauche où vous voyez la première flèche rouge où il y a marqué paramètres utilisateurs. Vous cliquez sur la petite roue crantée. Ensuite, sur la deuxième colonne, il va falloir cliquer sur connexion. Et ensuite, là où il y a le grand encadré connexion, vous allez retrouver le logo Twitch, YouTube, etc. Il va falloir à ce moment-là cliquer sur le logo YouTube. Ensuite, vous rentrez votre mot de passe, adresse mail, etc. pour synchroniser votre compte. Moi, ça va me permettre du coup de savoir si vous êtes réellement sponsor ou non à la chaîne pour vous donner l'accès au salon privé du tournoi Dragon Ball Legends, là où vous aurez vos adversaires à affronter, où vous pourrez échanger vos codes amis, etc. Ça va demander beaucoup d'organisation. Donc j'espère que chacun d'entre vous qui est sponsor à la chaîne, il faut impérativement faire cela pour que le tournoi se déroule de la meilleure des manières. À présent, passons aux invocations de Goku Super Kaioken de Paikuan Transfo. On va aller voir le détecteur pour aller lire les capacités Z de ces persos. Le Goku, lors d'un combat, augmente de 22% l'attaque d'énergie des familles Goku et des attributs rouges. Donc du coup, là, ça va être intéressant de faire une team avec pas mal de Goku autour de ce perso. Par contre, attention, regardez, il est de type vert, donc sa faiblesse sera contre les persos de type violet. Il va falloir, et je vous le conseille, mettre le Kid Goku Zenkai de type jaune qui va cover justement ce Goku Kaioken de type vert. Comme ça, ça vous permet, dès que votre adversaire met un perso de type violet pour vous boomer clairement votre Goku Super Kaioken, et bien hop, vous switchez, vous mettez le Kid Goku Zenkai de type jaune et croyez-moi, le violet fera pas vraiment son malin. Et de plus, le Kid Goku Zenkai a la survie au chaos et ce Goku Kaioken a également une survie au chaos une fois qu'il atteint les 50% de points de vie. Ensuite, on a également, j'ai pas été voir le Paikuan, on va pouvoir aller lire sa capacité Z. Donc la capacité Z de Paikuan lors d'un combat augmente de 26% l'attaque d'énergie des attributs rouges et verts. Donc là, voilà, il n'y a pas vraiment de famille Goku, etc. C'est normal, hein, c'est pas un Goku, mais je la trouve peut-être un peu moins intéressante, sa capacité. Ouais, au pire, peut-être avec le Goku SSJ 4 de type vert qui est arrivé lors de ses 2 ans. Vous le combinez avec le Omega Shenron qui est également arrivé aux 2 ans, comme il est de type rouge. Le Goku SSJ 4 est de type vert et Paikuan, vous le mettez dans cette team, il vient booster justement les deux. Ça peut être intéressant, faut voir ce que ça donne par la suite. Maintenant, passons aux invocations.
Les gars, est-ce qu'on est prêt? On commence déjà par la petite single A20. Yeah! Allez, imaginez-vous, on chope déjà un Sparkling sur la single A20, ça serait vraiment un truc de ouf. Moi, je dis oui, moi, je ne refuse jamais. Je ne refuse jamais des Sparkling sur les types 20, ok? Sur les types 20, sur les invocations A20. Qu'est-ce que je raconte? Les types... Ça va pas, Sofiane. Non, mec, en feu, ça se neutralise. Pour l'instant, il n'y a rien, ok? Glissé bleu, ok? Kamea. Pour l'instant, ça n'a pas l'air terrible. Ok, ça va être quoi? Un extrême peut-être? Ouais, un extrême. Et merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, même quand on fait des vidéos, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu pour le soutien. Et n'hésitez pas également, du coup, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et activer la cloche pour ne rien rater en mode team notif. Ok, pan extrême, vas-y, next. Maintenant, on va pouvoir passer au multi-invocation. 3, 2, 1. Ok, allez! Allez, faut que ça tombe là. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Alors voilà, lors d'une invocation, quant à ça, la légende dit que les deux persos doivent tomber. Ou pas. Ou pas. Ah, SCJ, attention, SCJ. Alors j'ai pas bien compris, hein. Ça a bugué, erreur de communication. Qu'est-ce qui se passe sur mon compte? Qu'est-ce qui se passe, Bandai? Expliquez. Ok, Kamehameha. Ok, ça résiste. Non, oui. C'est bon, Sparkling garantie. Thank you, Vegeta. Ben oui, frérot. Bien sûr, thank you, Vegeta, frère. Qu'est-ce qu'il croit, celui-là? Dégage de là, Freezer. Elle, fous-moi le camp. Va voir là-bas si j'y suis. J'aimerais bien le Goku Super Kaioken ou le Paikuan, ça serait vraiment stylé. Allez, faut que ça tombe, faut que ça tombe. Après, je vous le dis clairement, sur ce portail, je ne vais pas forcer. Voilà, je vous avais promis que j'allais invoquer, ça sera chose faite, donc max 2 pouces bleus d'ailleurs sur cette vidéo, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Le petit virus extrême, on prend. Ok, Vidalero. Ok, c'est 19, on s'en fout. Ok, le Goku Mammouth. Bon, c'est toujours bon à prendre, mais c'est pas la meilleure des unités. Hein. On va pas se le cacher, j'aurais préféré une nouvelle unité, moi, frérot. Bon, ok, pas 6 étoiles, on prend quand même. 6 étoiles, c'est plutôt bien, c'est plutôt cool. Après, voilà, on sait que le Paikuan booste les attributs vert et rouge. Pourquoi pas? Faudra voir par la suite. Lors d'un combat, augmente de 33% la défense d'énergie de base des épisodes, saga des films et des attributs verts. Allez, maintenant, faut que ça tombe. 3, 2, 1. Ok! Allez! Ixon! Mina! Très bien, 5 capsules. 5 capsules, très bien. Allez. Un des deux, ça me ferait. Bain de cul, les gars! C'est ça qu'on veut voir. Les gars. Bien sûr qu'on a envie de te voir, Badak. Bien sûr que t'es mon perso préféré dans l'univers de Dragon Ball, Badak. Bien sûr, mon frérot. Bien sûr. Vas-y, fais-nous plaise. Ramène-nous le Goku Kaioken ou le Paikuan. Ou les deux, frère. T'as le droit de ramener les deux en même temps. Ça nous ferait plaisir aussi. Très bien. Yes! Paikuan Transfo! Ok, on l'a. Ok. On l'a chopé, ça déjà, ça fait vraiment plaisir. Avec le Paikuan EX. Ok, très bien. Très bien. On a déjà 1 sur 2. On a eu le Paikuan. Max 2 pouces bleus, les amis. Ça fait vraiment plaisir de le choper. Parce que c'était vous qui m'avez dit. Soso, vas-y, il faut que tu invoques. Et bah du coup, on a chopé le nouveau perso. Donc on va dire que même si je vais pas le jouer de ouf, c'est pas grave. Pour la collection de la box, ça fait plaisir quand même. Allez, on continue. 3, 2. Ikiel! Allez, let's go! Goku Kaioken, frère, ramène-toi, frérot, ça nous ferait plaisir. S'il te plaît, frérot, s'il te plaît. Kintone, détecteur, garanti. Très bien. Détecteur. Très bien. Fais-nous voir. Ça se neutralise. Ok. Glissé rouge, SAJ. Extrême garantie pour l'instant. Pour l'instant, c'est de l'extrême. Sparkling garantie. Là, ça fait plaisir. Fous-moi le camp d'ici, Freezer. Fous-moi le camp d'ici. Très bien, allez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, Sauzer. Allez, ça va être qui le Sparkling? Vas-y. Goku Kaioken, quoi. Ou un doublon Paikuan, frère. Même un doublon Paikuan, je prends. On prend. Moi, je veux que les nouvelles unités. Ça ferait vraiment plaisir. C21 aussi, ça nous fait plaisir. Non, franchement, les gars, même C21, ça me fait plaisir. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'accepte. C21, elle est vraiment très forte, hein, d'ailleurs. Elle est vraiment très très forte, donc j'accepte. C'est avec grand plaisir, C21, que tu viens ici dans cette invocation. Et du coup, qu'il passe 5 étoiles, ça fait vraiment plaisir. Ok, les gars.
3, 2, 1. C'est maintenant pour le Goku Super Kaioken Ikai. Allez, let's go. Allez, fais plaisir. Allez, frérot, il faut que tu viennes là. Fais pas le timide. Kintone. Très bien. Let's go. Let's go. Ça se tape. Ça se neutralise. Ok, très bien. Glisser rouge, extrême garantie. Sparking garantie. Bon, en soi, les gars, quand même, les invocations, ça fait plusieurs jours on fait des invocations, les gars. Mais le compte, il est magnifique, là, mon compte. Hein. On n'arrête pas d'avoir des trucs de ouf. Sauf elle. Tu vois, ça, c'est pas vraiment un truc de ouf. Mais ce que je veux dire, on n'arrête pas d'avoir des sparking, quoi. En soi, ça va, on se tape pas vraiment des trucs éclatax ou quoi. Dis-moi qu'il y en a encore un deuxième. Dis-moi qu'il y en a encore un deuxième. Dis-moi qu'il y a encore un deuxième sparking. Tout ça pour Bulma, frère. Non, frère. Dis-moi qu'il y en a encore un deuxième. Dis-moi qu'il y en a encore un. Oh là là, tout ça pour Bulma. Ah, pas cette étoile. Qu'est-ce que je m'en fous. Qu'est-ce que je m'en fous de Bulma, cette étoile. Bon, max de pouces bleus, les amis, sur cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de faire ces invocations avec vous. On se retrouve à partir de demain, sans doute pour un live, peut-être, PVP Dragon Ball Legends avec vous. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les amis, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao. Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Non, 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 non. Yeah.